Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'un tout nouveau glitch qui vous permettra de rentrer n'importe quel véhicule dans votre garage. Donc, ce que je veux dire par n'importe quel véhicule, c'est les amis, les véhicules de vos amis, le quad de Trevor, les véhicules modés, etc., etc. Donc, c'est une toute nouvelle manipulation, beaucoup plus simple que l'autre, sachant qu'il faut être que deux pour celle-là. Franchement, je vous conseille de faire celle-là, elle est beaucoup plus simple. Vous allez très très vite comprendre, à part la petite manipulation du début qui est plutôt rapide. Il faut être assez rapide, mais sinon le reste est plutôt très très simple. Donc je viens de vous montrer que je ne pouvais pas rentrer la Buffalo de Jordan. Donc au passage, je fais une petite dédicace dans mon garage. Donc vous allez tout simplement placer la voiture que vous souhaitez mettre dans votre garage devant l'allée de votre garage, de faire en sorte que la porte du garage s'ouvre. Si la porte du garage ne s'ouvre pas, vous allez rater le glitch. Donc la prochaine séquence qui va suivre va être en accéléré, tout simplement parce que je l'ai raté deux fois d'affilée et j'ai pas voulu faire une coupure. Donc je vous montre bien que il n'y a pas eu de montage ni rien, etc. Que c'est bien du réel. On sait jamais, parce qu'il y a des gens qui peuvent penser qu'il y a du montage derrière tout ça, etc. Mais sinon la manipulation est assez simple. C'est pour ça que je vais la mettre deux fois au ralenti, comme ça vous allez très très bien comprendre et moi je vais bien vous expliquer. Donc vous allez tout simplement monter dans la voiture ou que vous souhaitez remplacer par celle qui est dehors. Donc vous allez tout simplement faire flèche du bas pour faire pivoter les personnages, donc qui seront Michael, Trevor et Franklin, comme vous le voyez actuellement à l'écran. À ce moment là vous allez tout simplement accélérer, faire flèche du bas et sélectionner un personnage pour faire en sorte de rouler dans votre garage. Donc je répète la manipulation, vous allez tout simplement accélérer, faire flèche du bas et sélectionner un personnage. Donc je vous conseille de sélectionner Trevor, qui est le plus simple parce qu'il est à droite. Ne vous inquiétez pas, ça n'a aucune influence sur le reste de la manipulation. Donc une fois que cela est fait, vous allez tout simplement rouler dans votre garage. Vous allez attendre un tout petit peu et faire start. Une fois que vous aurez fait start, vous allez aller dans en ligne, activité, héberger, activité, rejoindre, activité, et vous allez faire activité aléatoire. Donc contrairement aux anciens, à mes précédentes vidéos, celle-là je l'ai fait hors caméra, je l'ai pas fait en live, je l'ai fait en différé, tout simplement parce que pour les accélérer, etc., ce serait beaucoup plus simple, etc. Donc une fois que vous avez lancé cette activité, vous allez tout simplement vous retrouver dans une activité et à ce moment là vous allez tout simplement faire B et quitter. Et là normalement il y a 98% de chances que vous réussissiez la manipulation. Vous allez voir à l'écran, moi je vais réussir la manipulation. Après vous avez plus qu'à courir vers la voiture. Je pense que vous savez comment ça marche. Il y a 98% que ça marche, contrairement à l'ancien glitch où il y avait beaucoup plus de chances que vous ratiez la manipulation. Le seul problème avec ça, c'est que souvent les gens ont tendance à lancer la partie, donc ça provoque quelques désagréments et du coup vous allez sûrement rager. Personnellement, avant de faire cette vidéo avec Jordan, je l'ai fait plusieurs fois d'affilée et 2-3 fois d'affilée des personnes ont lancé la partie. Du coup j'ai pas pu réaliser cette vidéo, mais je l'ai quand même fait, j'ai pas abandonné. Donc voilà, j'espère que ce glitch, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez vraiment un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très très bientôt. Allez, ciao bye bye tout le monde.